bien c'est tout le monde, SexBSK toujours en compagnie de Kiki, on est vachement en rate de munitions, bordel de cul. J'ai eu très peur, j'étais en train d'avancer toute seule. Attends, j'ai eu une panique. Regarde s'il n'y a pas de la mune, hein, parce que là c'est vraiment la galère. Hein. Ah, il y a un collier. Je sais pas si vous vous souvenez les amis, oh. J'ai déjà vu la gueule d'un fauve de vu la gueule d'un fauve de suffisamment près pour savoir que ce nom appartenait à l'un d'entre eux. Ok. Et malheureusement non, il n'y a aucune munition. Même là? C'est point. En tout cas, où il y avait rien. Je regarde. Où tu vas, Kate? Faut explorer la mine. Ah bah oui, mais j'explore déjà les munitions moi. Mais voilà. T'as eu des munes? Rien. Ok. Bon, bah on y va alors. Que dalle. Donc là, autant dire que s'il y a une Martine ou un Martin qui arrive, bah on est clairement dans la merde. Il va falloir courir, hein. Ouais, heureusement qu'on peut être maintenant invisible. Dis donc. Tu l'as pris l'échelle? Ouais, j'ai déjà été. Tout a été ok. C'est juste un collier à con. Des munes! Ouais! Allez, viens y prendre. Oh merde! Ah, t'as encore des alus, toi. À moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait un espèce d'arbre en face de moi en sang, et il y avait ma mère dedans. Et elle disait Kate, délivre-moi, s'il te plaît, délivre-moi. Il y a une mine à l'intérieur ici. Ouais, attends. Ça. Comme ça. Dépêche-toi, sinon je les prends. Bon, vas-y, t'es où? Là, je suis là. T'es là. Tu es. Ah bah encore des mines ici, cool. Tac. Pour moi. C'est allez, pour Bibi. Allez, vas-y, j'arrive, je vais te montrer ce que c'est que du biscotto. Biscotto? Tu vas les ouvrir. Merde. Avec des boobs. Allah. Le robot, allez-y, passez. Attention ma petite Lucetus. Vous avez évité tous les étrangers, mais on a beaucoup pendant le rassemblement. Comment ça se fait? La plupart des étrangers veulent pas être trouvés. Regarde. Surtout par la série. Bah quoi, y'en a qu'un seul? J'en ai 5 moi. Quoi? J'en vois 5. Y'en a qu'un. J'ai composant trouvé 5. Ah ouais, composant trouvé 5. Moi j'en voyais qu'un seul. Tiens, tu vas aller à la mine, Kiki? Oh. Bah oui, la mine, ça me connaît. Forcément y avoir des trucs. Oh ça c'est obligé. Rien du tout. Ok, déception. I am déceptionnus. Ah non, là j'ai cru voir un truc briller. Okay, rien du tout. Allez, j'ouvre les portes. Ah bah ça y est, t'arrives à pousser les portes. C'est bien pire que ouh, je... ça pue! L'étranger est survécu à ça. Si on faisait le tour pour voir si on peut trouver des explosifs. Ouais. Mais moi je sens attends, venir le truc Cos, moi. Vas-y. Tu vois un truc? Il est mort, rêve est mort, putain, le contre-maître dit que c'est arrivé sur ce site sur lequel la cellule fait bosser. Un accident de mine, soi-disant, qu'on peut même pas récupérer le corps. D'autres types ont aussi perdu des collègues. Il y a quelque chose qui tombe pas rond ici. Je ferais peut-être mieux de sauter dans les prochains trains pour Jacinto et de me trouver un taf de bureau. Je m'arrête pas de le répéter, ma mère. Et puis j'en ai ras le bol de me geler les couilles en permanence. J'ai un petit peu nettoyage. Ah, bon bah moi je. Jack. Ah non, c'est bon. Oh, 3, pas mal. Y'avait personne dedans? Hein? Eh oh! Voilà! Pour tout, hein! De quoi? Ah, mais. Et ouvre tout, hein. Moi j'ouvre tout, hein, je fais tout péter, hein! Comme ça, au cas où. Gaspille pas tes munes, hein. Ouais. Bon allez, vas-y. Ah, attends, y'en a, y'en a. Merde. Attends, gaspille pas. Non, gaspille pas. Pardon. Bah vas-y, on va le voir, il arrive. Mais...
Allez, on y va. Oui, pas que t'as encore ton gros bâton dans ton cul, hein. Tout à fait. Pas dans mon cul. Par ici, on est parti à explorer. Allez, Biscotto-chan, viens. Vas-y, j'arrive. Oh yeah. Ah merde. Ouais, oh, ça doublement enfin, pue ici, bizarre. En fait, ça va rien effet de l'autre côté, en fait, quand je vois ça. Ah, les munes. Ah ouais. Et où? Ah bah oui. Oh putain. Ah merde. Ah, il m'a eu. Non. Je suis à l'intérieur. Tiens de moi. Tiens de moi. T'es en train de tirer dedans. T'as relâché? Allez, m'a relâché, c'est bon. Par contre, il a relâché ses potes aussi. Oh la merde, il m'a mis à terre. Non, Kiki. Oh, il m'a attrapé. Oh là là, je suis dans le vide. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je me barre. C'est la grosse merde là. Et une merde. Allez, viens sur moi. Alors là. Mais drague moi. Non. Elle s'attaque. J'ai touché. Oh merde. Non. Non, t'étais mort. Ah, je suis mort. Oh non, Dale. Adieu, Kiki. Bon, on a totalement merdé, c'est pas grave. Non, mais là, j'ai merdé de fou. J'ai mis deux gros coups, je me suis dit, allez, la troisième, c'est la bonne, et il m'a attrapé au même moment. Dommage. Bon, c'est pas grave. Allez, on la joue, c'est un peu plus safe cette fois-ci. Je vais juste là. Bah, on la joue un peu plus safe. C'est pas possible. Il va, c'est bon. Vas-y, je viens de cacher. Ouais, faut se soigner là parce qu'en fait il pète toutes les cosses là. Planquez-vous. Attention à l'explosion. Mais j'arrive pas, je peux pas sauter. Mais putain, mais c'est pas. Là c'est la merde. Et putain mais non. Là c'est galère. Ah, c'est mort, là. Oh attends, on va crever, c'est pas grave. Allez hop. Attends, Jack va se réanimer là. Jack viens. Ouais merde, il va tuer. Bon, allez. Autant que je crève, vas-y. De toute façon, quand je meurs, c'est fini. Faut vraiment bien se planquer. À droite, ouais. J'ai vu qu'il y avait un truc sympa pour là-bas, ici pour se planquer, c'est pas mal. Abattons-le. Pas tous sur le dessus là. Il y a un lance-roquette sur le dessus. Faut moi ça là. Mais attends, t'as vu. Mais merde, j'avais pas vu ce coup. Il est où cet enculé? Ah, il est là-bas. C'est pas... Oh non! T'inquiète, t'es... Attention! On veut dire! Il est où? Je le reprends. Je leur fais tomber d'autres. Eh merde. Plus de mine. Il a même fait tomber une cosse. Attention. Ah merde. Oh putain, il est là. Oh merde. C'est quoi qui est à terre là? Il y a un. Oh, c'est le. Ok. Non, je suis occupé! Non! C'est bon, la mine est dégagée. Oh, putain! Purée! Je suis presque sûr que cette grosse foreuse marchait au phosphore. Oui, c'était chaud! Ok. J'avoue. Et alors? Je le lance-grenade que maintenant, lui? Quand entre en contact avec l'oxygène ou l'eau, il brûle. Et ça pourrait résoudre notre problème. Toi, pour récupérer des mines, hein? Qui reste alors? Je prends une caisse de mines là. J'en prends une aussi.
entrer. Oh putain, avec des grades dedans, fait chier. C'est quoi là? Quoi qui brille, ouais, vers la haute. L'arbalète. Ah tiens, vas-y, je joue jamais l'arbalète, allez, donne. Ok. Bah, faut aller où du coup? Si. À la porte. Attends, attends, attends. Ah, y'a une caisse de mine là-bas, je la prends. Vas-y. On a quand même fait les cons, on est resté bien. Bien notre petite zone de confort là. Ouais, on a merdé, je. Ah, écoute. Il va porter le phosphore, et nous. On va. Ah non. On va te regarder faire. Ah non, oh non, on va devoir le faire. Ça pue la vague. Oh, et si on allait faire fondre cette base ? Oh putain, faut l'escorter ! Oh non. Voilà. Voilà. Attention, c'est pas encore fini ! Jack, protège le carburant ! S'il crame, on crame tous ! Excuse-moi ! C'est pas moi ! Bon, faut quand même bouger un peu là. Je vais aller voir. Ouais, faut avancer de toute façon, je pense que sinon il avancera pas. Fais gaffe, ça arrive. What? C'est moi. Ah, oh merde, je l'ai pas vu. Attention avec le plan, moi. Attends, je me le fais. Petit con. Le Langer, vite. Alors, faut aller où? Ouais, oh, bon, mec, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas là quand je fais R? Ah, parce qu'en fait, faut bien se placer par rapport à eux, ils sont un petit peu casse-couilles. Hein. Et l'émission Lanzor ici. Bon, du coup, faut aller où maintenant? Je pense à droite. Ouais. Regarde où tu tires! Hé hey. Toi qui te fous devant moi quand je tire. Je peux rien, moi. Ah. Bientôt la sortie. Mais ils ont pas envie qu'on parte. Oh merde. Boum. Tiens, boum, y'en a un autre encore, non? Ouais. Alors. Baladez comme ça. Je vais me balader comme ça et je vais tronçonner tout le monde. Attends, là il doit y avoir des trucs sauts. Non, mais là non, il y a un truc, mais il peut pas y accéder du coup. Non, là j'ai ouvert ça. Ah, c'est sûr qu'on a ouvert. Ok. Allez, viens m'aider. Ouais, j'arrive, c'est allez, bon. Allez, vite. Allez, Jack, grouille-toi. Mais Jack il prend vraiment le temps, quoi. Ouais, j'avoue. Allez, ramenons ce truc au skiff et appelons Marcus. Fais-moi confiance, ce truc va faire fondre la glace. Si tu le dis. Del, en voilà d'autres. Oh merde. On les bute et on traverse le pont. Ah, ça va, c'est que ça. Vas-y, viens. Ok, un gros pas beau quelque part là, non? Oh, ça joue, il est mort dans Batman, ta gueule! Ah,
bon. Ouais. On passe par le train et on se casse d'ici. On passe par le train et on se casse d'ici. Quel train? Tu dois être là, par là où t'es. T'es sérieux? Il peut encore y avoir d'autres trucs, c'est obligé. Ouais, je suis pas sûr, hein. On va vraiment être au calme maintenant? Que venir ici aura été une expérience marquante. Je pense, ouais, je pense que c'est calme là. Qu'on les accumule en ce moment. J'arrête pas de penser à ces pauvres gens dans la mine. Tout à l'heure dans le tunnel. T'avais raison. On aurait dû la trouver. Ouais, mais t'avais raison aussi. On peut pas aider les gens qui refusent d'être. Oui, putain, t'es à l'autre bout. Comme JD, j'ai contour. Je peux regarder un truc en attendant. Ouais. Vas-y, vas-y. Bam, TP au pire, c'est pas grave. Tu crois qu'il redeviendra lui-même un jour? Ah, bah j'ai besoin de toi en fait. Ah, j'arrive. J'espère, mais. Oh, y'a des zones qui sont pas modélisées au sol. Oh. Tout invisible. Ouais. J'ai pas fait attention. J'arrive. Me voilà. Bon bah ça allait par contre la séquence. Bon, on a merdé tout à l'heure, mais sinon par contre la séquence pour aller le sauver, ça va. Enfin, garder le petit. Mais garder le petit robot en vie, c'était bon. Alors. Du coup. Jack, ce phosphore te pose pas de problème? Mais. Tant mieux. On va se faire péter avec, ouais. Tu commences à l'apprécier. Ah, du coup, ça va créer un tunnel jusqu'en dessous. Oh, ouais. Vas-y doucement. Il va finir par tomber amoureux de toi. Au fait, merci d'être là. Sans toi. T'auras un vibro gratuit. Attends, c'est moi que tu remercies ou Jack? Jack? Désolé, c'était pas clair? Mais... Ouais, elle est bien bonne celle-là. Ça va? Oui, oui, c'est, je posais juste ma petite arme. Vas-y, on y va, on se barre. Marcus, on a trouvé du phosphore. Belle pense que ça nous aidera à franchir la glace. Faux, je le pense pas, je le sais. Et là, t'as un mec qui tire sur notre véhicule, fin de l'histoire, allez, fais the end. C'est du très lourd. Faites gaffe, c'est du très lourd. Ouais, c'est ce qu'on dit. Terminé. Tu sais, on pourrait explorer les environs. La glace va pas disparaître. C'est toi le pilote? À quoi tu penses? C'est toi le pilote. Je pense à une pizza, moi, là. Revoilà l'épave de Scondor. J'ai envie de manger une pizza, maintenant, merci. Ah, j'ai beaucoup, une pizza, hein. Ouais. Merci, hein. Merci, hein. Appelle jamais la radio dans leur véhicule, sérieux. Radio 3615 Justice Social Warrior. Arrête. Ah, mais putain. Mets-toi là. À gauche. 360 degrés. Oui. Ah non, oui, ça va pas. Je vais gerber. On y réfléchira quand on y sera. Ça nous aide vachement. Bah on y est, apparemment. Hein. Léger, hein. Ok, il est temps de faire chauffer ce phosphore. Bah... Ouais. C'est pas le robot qui doit le prendre? Tu dois pas dire au robot de le prendre? Bah si, mais... What? Ah, attends, ah, attends, non, ah. Non, mais... Un peu trop loin? Ah, peut-être un peu trop loin, je pense. À moins qu'il fallait juste aller dessus, peut-être. Décale le véhicule, peut-être qu'on est dessus. Ah! On t'a? Ouais. Ouais. Bon, attends, on va. Ah, mais tu peux pas l'utiliser tant que je suis pas dedans. Ah putain. Mais je voulais juste faire un demi-tour, c'est tout. Dans cette là? Attends. Là, 3 devant, encore. Top! Ouais. Mais prends! Ah, voilà. Oui. Kate fait un choix, vous êtes sur le point de quitter la vallée, vous ne pouvez pas y revenir. Vas-y, ah bon, let's go. On quitte, hein. Vas-y, on se barre, hein. On se casse. Hein. Non, attends. Quoi? Ce truc là. C'est du phosphore. Ouais, peu importe. T'as dit que ça se nourrissait d'oxygène et d'eau. Ouais.
Et on est sur le point de l'exposer à une tonne de glace qui se compose... d'oxygène et d'eau. Ouais. Ça ira. Qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est de la thermodynamique. Ou de la cinétique chimique. Quelqu'un pourra me faire signe quand le cours de chimie sera terminé? Ça va aller. Ça va le faire. Allez. Allez, allez. C'est ça. La sécurité d'abord. Tu vois, ça marche. Ça va bien se passer, hein? Quoi? Mais ça se passe bien! Tu vois? Ça s'est bien passé! Oh, regarde, ça doit être la tour radio de Kadar. C'est qu'on approche du labo. Allez! Jack, ok. Ça va? Tu sais, t'es pas obligé d'être honnête. Tu sens la galère qui va arriver. Parle, ça me parle. Ça te parle? On me dit, tôt ou tard, on saura qui tu es vraiment. Tu détiens la vérité. À quoi résistes-tu? J'ai tout l'écran qui commence à devenir rouge. Comme si j'étais infecté. Ils ne peuvent rien contre la vermine. Mais si, on peut quelque chose de la vermine. Je te suis. Tu es presque mon enfant. Arrête de te battre. Ah, oh, ça, c'est quand je vais me transformer que ça fait ça. Ok. Oh merde. Ah. Ça passe vraiment juste. Pas vrai. Oh, il y a la meuf, l'espèce de reine là. Oh, je viens de la planter, Mira. C'est rien. Tant mieux, parce qu'on y est. Allez, faut juste trouver un on moyen. On y est, allez. Oh merde. Oh wow merde. Oh, mais c'est pas visible, invisible. On pourra pas entrer. Pas tant que ces tourelles seront là. Bah oui, mais. Et te revoilà parmi nous. Alors, attends là. On peut passer par là? À la gauche. Là. Yep. Je crois qu'il y a un truc ici. Ah. J'ai un générateur. J'ai un générateur, attends. Je crois que ça a marché. On a fait sauter le générateur. Il en reste encore. Ah oui. Il va y avoir un autre générateur. Bah, il doit être tout à gauche. Ah oui, ouais. Dans la maison. Hein. Bah invisible. Hein. Jack, camouflage. Dun 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 dun. Oh merde, 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 merde. Voilà. J'ai trouvé l'autre. Ouh, 5. Ah ouais. Oh ouh. Yeah. Où là on est trop. Attends, ça va péter le générateur. Jack, électropiège. Ah, voilà. Ah. Ok, ça a marché. Prête à obtenir tes réponses? Ouais, t'es prête? Plus que jamais. J'ai très peur. Et là, juste pour faire chier. Ah là, c'est le prochain épisode. Oh non, on voit juste ce qu'il y a derrière la porte, à la limite. Pour une petite piqûre. Je suis sensible des mains. Une autorisation valide est requise pour entrer. L'accès a été refusé. Bonne journée. Quoi? Niles, c'est vous? Une autorisation valide est requise pour entrer. Une autorisation valide. Eh, tu peux toujours essayer, mais ça fait plus mal que tu crois.
Accès autorisé. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous ? Ouais, aucune idée. Si vous voulez bien me suivre. Vous pouvez m'expliquer le bienvenue chez vous ? Avez-vous réellement besoin d'une explication ? Je préférais encore le Nice qui racontait n'importe quoi plutôt que Stade Ferraille. Ah, je vois que vous avez rencontré ma version bien moins évoluée à New Hope. C'est pas vrai. Il fait horriblement froid ici. C'est très contrariant. Certains de nos jets cryogéniques semblent défaillants. Il doit y avoir une anomalie dans notre système. Sans déconner. Évidemment, nous ne pourrons pas continuer tant que les jets cryogéniques ne fonctionneront pas. Cela vous embêterait. Saloperie de boîte de conserve de... Les jets cryogéniques sont sûrement alimentés comme les tourelles. Trouvons le générateur. Ouais. Oh là 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 là. Ah, un point de compétence. Hein. Bah alors là... Juste en face. Là. Et... C'est quoi, c'est toi qui as fait ça? Ah ouais. Oui, j'ai peur. C'est bon, ça a marché. Alors retournons voir cette boîte de conserve. Allez, alors on va voir grand-père. Ah là, grand-père, dans mon chez-moi en plus, hein. Là, ouais. Si ça pue pas le truc... Ça, c'est cosy chez toi, en vrai, hein. Il fait un peu froid, mais sinon, c'est sympa. Ouais, Jack est très doué. Je voulais réparer ces jets cryogéniques depuis un moment, déjà. Mmh. On l'a fait en... Oh là. Oh, oh mon dieu, le nombre de morts. Niles, je suis vraiment impatiente que vous nous expliquiez ça. Regarde dans les cubes. Oh, ce sont simplement les vestiges d'un vieil accident industriel. Belle, ces cuves. Accident industriel, c'est mon cul, ouais. Ouais, j'avais remarqué. Ah oui, mon travail initial là-bas était de guérir les enfants atteints du poumon noir. Mais il est devenu plus important. La CGU voulait un remède. Je lui donnais des créatures surpuissantes. Oh, c'était il y a longtemps. Il est mort ce médecin en fait? C'est plus qu'un robot. Il est mort. Je peux se dire, le mec se planque. Venez. Mec. Pourquoi vous êtes venu? Ça sent tellement le mauvais truc. Ah, je peux voir ton arme? Notre famille avait besoin d'un endroit pour poursuivre son travail en paix. Votre famille n'a pas pu construire ça toute seule. Je suis presque sûr que vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour être mise au courant. Oh là. La pièce suivante est absolument fascinante. T'en déconnes ? Oh, t'avances, Roboto, là ? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce ça ? La voie qui mène à toutes les grandes découvertes est pavée d'échecs. Voici certains des spécimens les plus instables. Cette grande découverte. Quoi, tu sens venir le truc ou pas ? Comment vous le faites ? Grâce à un des enfants de mineurs, figurez-vous, elle était insensible au vieillissement et à la maladie. Nous l'avons élevée comme l'une des nôtres. Ok, et la fille, c'est qui ? C'est toi ! Ça sent le... Ouais. Ah, ça se trouve, il y a un easter egg dans cette créature. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de l'un de nos premiers hybrides réussis. Hybride ? C'est bien un locuste. C'est la même chose. Dans notre installation précédente, nous nous heurtions à des problèmes de stabilité génétique. Les cires étaient déséquilibrées et stériles. Un problème pour des raisons évidentes. Mais les locustes étaient différents. Extrêmement contrôlables, de parfaits soldats et par chance capables de se reproduire. Qu'est-ce qu'ils avaient de différent ? Leurs cellules. Voyez-vous, les enfants des mineurs d'immulsion étaient une merveilleuse source de matériel génétique, tout comme les créatures indigènes des entrailles. Et toutes vos recherches génétiques, elles sont ici ? Bien sûr. Oh, oh merde ! Hé, Jack, viens là ! Télécharge tout ce qu'il y a sur ce terminal ! Oh merde. J'ai pas du tout envie de savoir ce que ces noms de fichiers veulent dire.
Mais c'est seulement quand nous avons pu découvrir l'immunité génétique à l'émulsion d'un enfant en particulier que notre travail a pris son essor. Je vous en prie, ouvrez-le. Évidemment, c'est Mira. Ou si vous préférez, la reine Mira. Vous l'avez accouplée au cire ? Non, rien d'aussi monstrueux. Ces cellules souches, en revanche, complétaient merveilleusement bien l'ADN des cires. Mais nous avons négligé beaucoup de facteurs. Par exemple, le fort instinct maternel de la jeune Mira. Ne dites rien. Elle a poussé ses enfants à tous vous massacrer ? Non, non, non. Enfin, si. Mais je parlais d'un instinct maternel plus conventionnel envers sa fille. La petite Reyna. Votre mère. Quoi ? Vous mentez ! Pas du tout. Votre mère est née ici, avant que son linge de père ne vienne nous l'enlever, entraînant par la suite la rébellion de la jeune Mira. Pourquoi vous me dites tout ça ? Vous possédez de nombreux dons que vous ne comprenez pas encore. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Il vous tuera s'il l'apprend. Ils vous tueront tous. Attends, il a dit quoi ? Hé, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu m'as accompagné ici ? Qu'est-ce que JD t'a raconté ? Hé, je vais pas te faire de mal, Kate. Non ? Tu devrais, peut-être. Avant que je le fasse. Hey. Ça couperait définitivement le lien qui vous unit au Locuste. Nice, ça ferme ! Je la laisserai pas faire ce qu'ils ont fait à ma mère. Votre mère ? Et qu'ont-ils fait à votre mère ? Dans la ruche. Ils l'ont changée. Ça l'a tué. Je l'ai tué. Mais c'est ce processus qui leur permet d'apprendre, d'évoluer. Sans reine, ils n'ont personne pour les guider. Tu vois ? Tu vois ? Je suis une arme ! Non. T'en es pas une. Plutôt au village. Quand j'étais dans cette écumeur, c'est moi qui les contrôlais tous. Quoi ? Je crois que j'ai tué Oscar. Attends un peu. Tu crois ? Ou t'en es sûr ? Je sais pas ! Je veux qu'il sorte de ma tête ! C'est insoutenable ! Ok. Et vous allez y mettre fin. Et si je refuse ? On vous effacera. Et on détruira toutes vos précieuses recherches. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider. Il est censé vous croire sur pas. Vous êtes entièrement. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider. Attends, j'ai vu un E. Mais dites-moi une chose. Votre mère et la ruche, a-t-elle résisté ? Oui, évidemment. C'est ce que je craignais. La jeune Mira n'a pas eu besoin d'une intégration aussi brutale. Mmh. C'est quoi le bruit ? Mon grand-père, qui c'était ? Un de mes meilleurs généticiens. Il s'est enfui avec la petite Reyna, car il ne croyait plus en nos travaux. Mira a su où il l'avait emmenée ? J'ai dit à Mira que Reyna était morte en tentant de s'enfuir. Je pensais que ça réglerait le problème. Je me suis trompé du tout au tout. En tout cas, merci aux sous-titres buggés. Ah oui, les sous-titres qui te spoilent. C'est incroyable, ça, quand même. Mais oh, il semblerait qu'il y ait un autre problème technique. Vous pouvez peut-être le résoudre. C'est ça. Prendrait pas un peu. Parce que là, c'est congelé, on va être mal. Ça. Ça. Je peux pas arrêter la machine, là. On peut pas tirer. Ah ouais, merde. J'imagine que c'est le petit qui peut le faire. Je peux l'emmener, lui. Hein ? Pourquoi c'est fermé ? Bordel. Non, j'essaye de rentrer. Non, ça... Non.
Ok. C'est une très mauvaise idée de rentrer. Je t'ai vu exploser en petit morceau. C'est vrai, j'ai explosé ? Ouais. Moi, ça a juste fait un écran noir. Ouais, bah, je pense qu'en fait, il doit avoir une petite zone, une petite fenêtre où il peut passer. Non, à mon avis, il faut mettre le bouclier. Ah oui, pas bête. Et traverser ? Ouais, ça me paraît plus logique. Il semblerait qu'il y ait un autre problème technique. Vous pouvez peut-être le résoudre. Bah, déjà, je vais prendre ça. C'est pas bon ça, hein. Regarde la Gatling, c'est pas bon du tout. Hein. Ouais, je sais. Bon, par contre, là. Fais péter le bouclier. Hein. Ouais, ça passe. Ah, ouais, c'est là, juste ici. Ouais, faut que ça convienne. Jack, électropiège. Ah, il a réussi. Votre petit compagnon est fort utile. Hey, fais gaffe, boîte de conserve. Oh là. À moi. Eh bien, vous faites un très joli couple. Ok. Oh là là, mais c'est complètement parti en couille leur. Si vous voulez bien me suivre. Et si on n'a pas envie. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il a pas du tout de bonnes intentions. J'ai une question. Bien sûr. Ça fait quoi quand le travail de toute une vie se retourne contre vous ? J'ai décidé de voir les choses autrement. Les locustes aspiraient à l'indépendance. Mira leur a montré la voie. J'ai toujours été fier de votre grand-mère. Je le suis toujours. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? La matriarche a été conçue à partir des cellules souches de votre grand-mère et d'ADN de Cire. Putain ! Elle a amplifié la capacité de Mira à communiquer avec les locustes. Eh ben, elle est balèze, mamie. C'est sur cette machine que Mira a appris à contrôler son pouvoir. Mais nous pouvons l'utiliser pour couper votre lien, si vous le désirez. Ça marche comment ? En endommageant légèrement votre cerveau. Quoi ? Comment ça, en endommageant légèrement son cerveau ? Son lien avec les locustes repose sur un algorithme génétique situé dans son lobe temporal. Le modifier nécessite une anesthésie, si on peut dire. Ça ressemble à une lobotomie. La lobotomie est extrêmement invasive. Cette opération est guidée. Pendant mon travail, la matriarche emmènera votre esprit à destination, sans se faire repérer. Ok, c'est bon. Non, 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 non. Il n'est pas question que tu le fasses. J'ai aucune confiance en lui. Alors surveille-le. Mais je suis obligée de le faire. Je perds le contrôle. Je veux blesser personne d'autre, compris ? Je comprends. Intérêt. Je suis là. Ah,
Mort ? Hey, Nice ! Nice ! Où tu vas ? Nice ! Stop ! Fais chier ! Jack, viens là, éteins-moi ça ! Dégage, dégage, dégage ! Kate ! Kate ! Hey ! Est-ce que tout va bien ? Ouais, mais... Ok, descends, on discute un plus tard. Non ! Attends ! Il m'a utilisé. Ma mère, elle est en vie. Quoi ? C'était pas vraiment elle, sauf que c'était réel. Où il est ? Fermeture d'urgence activée. On se barre, c'est par là. Allez, 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 allez ! On le suit ! Reviens ici, Nice ! Vous aurez certainement remarqué ma petite attention. Vous n'êtes plus vulnérable à la ruche et votre mère a été réveillée. Enfin, si on peut dire. Oh, putain, je vais te tuer! Je pense pas qu'ils nous entendent. J'en ai rien à foutre! Lancement du confinement cryogénique. Veuillez quitter le laboratoire immédiatement. Merde! Faut arrêter ça! Trouvons un moyen de passer! Bon, bah c'est sur cette magnifique révélation qu'on va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode. En tout cas, oulala, hein, ça alors y est. Là, épisode riche en action. Hein. Ouais. Et là, on en a eu de l'histoire. Là. Ouais, là, j'avoue, on a eu de la sacrée histoire. Hein. Je pense que ce passage à lui-même enterre Gears 4. Hein, ah oui, je pense vraiment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez franchement de cet épisode-là. Est-ce que vous pensez de l'histoire pour le moment de Gears ? Mais en tout cas, là, je pense que ça va être mon préféré. Pour le moment, j'aime bien l'histoire, la façon dont elle est faite et tout, j'aime beaucoup. Donc là, on va voir la suite. Et bah, du coup, maman, elle a été réveillée, en fait, là ? Ouais. Donc là, c'est la merde. Ouais, là, ça va être la merde. Bon, allez, sur ce, loulou, on va vous laisser ici. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir là. Attitude, comme d'habitude, je vous occupe. Que ça chanson, que ça ex, que ça dicton, on vous laisse, on fait plein de poutous partout et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du pays soit avec vous. Peace!